S'il vous plaît, asseyez-vous parce que nous avons commencé. Vous allez pouvoir aborder après, s'il vous plaît. L'intégrisme va essayer de remplir ce vide. Donc les religions qui ont souvent été bâillonnées, rabaissées au bénéfice de l'État sont aujourd'hui utilisées pour contester l'État. Et il ne reste alors aucune possibilité d'interprétation, de choix. Et dans certains pays, on envisage la suppression des lois laïques qui sont remplacées par des lois religieuses. Et de l'intégrisme en Iran et la façon dont il s'est propagé à partir de là dans d'autres pays de la région. Et pour nous parler de cela, je vous présente Elisabeth Salvaresi. Elisabeth, si tu veux venir, Elisabeth est journaliste et elle représente ici le collectif féministe international contre le viol. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire d'ailleurs que l'histoire du fondamentalisme, de la désintégrisme, commence non pas en 79 en Iran, mais peut-être en 73, au moment où les pays producteurs de pétrole ont déclaré que leurs ressources était sous-évalué et qu'on devait payer le prix pour ces ressources. Je pense que ça a été en fait une date qui a profondément bouleversé la situation économique internationale et qu'à partir de là s'est formé un champ de protestation dans les pays aujourd'hui dits islamistes. Et que cette situation n'a fait que croître jusqu'au jour en 79, donc Khomeini a pris le pouvoir en Iran. Il faut quand même rappeler que Khomeini, c'est nous autres Français qui l'avons réchauffé dans notre sein, puisque nous l'avions accueilli près de Paris, à Neuf-le-Château, avec un ensemble de, j'allais dire sa cour, enfin son entourage, où il vivait selon ses croyances, et dans une sorte de méconnaissance extrême, et d'autant plus étrange qu'il écrivait à l'époque des livres traduits en français, qu'on peut encore trouver d'ailleurs, par exemple à la bibliothèque de la Sorbonne, et qui sont des livres extrêmement parlants sur ce qui allait suivre. Hein. On l'aurait lu à l'époque, ou on l'aurait lu avec des lunettes, je veux dire clairement, on aurait su ce qui allait se passer. Il était donc installé avec autour de lui un mode de vie qui est aujourd'hui celui de l'Iran, et il y a eu une sorte de collusion entre la mort, ce qu'on a appelé la mort des idéologies, en fait on devrait dire la mort des idéologies marxistes, communistes, qui avaient été d'une certaine façon ce relais à la foi dont parlait Brigitte tout à l'heure, hein, cette foi laïque dans l'humanité tout entière qui devait se, ou plutôt dans le prolétariat, comme on disait à l'époque. Et je trouve que c'est quand même très très frappant de voir comment on passe d'un vocabulaire d'une langue de bois à une autre, hein, d'un vocabulaire à un autre, puisqu'à l'époque on parlait de prolétariat, on parlait de, enfin tous ces mots qui aujourd'hui nous semblent carrément désuets, alors que ça fait pas tellement longtemps, en réalité ça fait jamais que 15 à 20 ans que ce vocabulaire-là était dominant, y compris en Occident, enfin en tout cas chez les intellectuels, disons. Donc Khomeini a pris le pouvoir avec l'aide de la France involontaire mais réelle, et il faut bien dire effectivement que ce dont parlait Brigitte, à savoir cet étouffement du peuple iranien par le Shah, qui était quand même un régime extrêmement répressif et qui est resté célèbre par la SAVAK, qui était un organe de policiers particulièrement musclé, dont on sait qu'il torturait beaucoup, a fait beaucoup pour la montée de l'islam en Iran, y compris au point que les femmes iraniennes qui n'avaient pas connu le régime religieux, qui ne connaissaient pas les ayatollahs, ont pu à un moment donné, au moment de la révolution populaire islamiste, au moment en fait du renversement du Shah, prendre le hijab pour un symbole de libération. Et je me souviens d'une amie iranienne qui me racontait que sa propre mère
qui, elle, avait connu l'époque où les ayatollahs, où les mollahs, en fait, étaient très puissants encore dans le pays, lui avait dit, le jour où elle avait pour la première fois arboré le hijab, « Mais tu es folle, ma fille, tu ne sais pas ce que c'est que les mollahs, tu ne sais pas ce qu'ils vont vous apporter. » Et cette femme, donc, qui était la mère de mon amie, est morte avec, sur elle, la tenue islamiste, jusqu'au, j'allais dire, jusqu'au bout des doigts, ça a été, je pense, pour elle, une fin de vie particulièrement terrible. Donc, il y a eu ce moment d'indécision, ce moment d'incompréhension de notre part, mais aussi de la part du peuple et des intellectuels iraniens, et qui ont produit cette arrivée un peu comme monstrueuse, on peut dire, ce retour en arrière de 1000 ans que représentait Khomeini. À la suite de quoi, il y a autre chose qu'il faut dire à propos de l'Iran, c'est que l'Iran, c'est un peu le territoire de l'Amérique. Les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l'Iran, et il faut bien dire d'ailleurs que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en plus pour nous, pour les Françaises, pour l'Europe, l'Iran c'est loin, ce qui fait qu'on est peut-être plus sensible aujourd'hui à l'intégrisme au Maghreb, qui est notre proche voisin avec qui on a une communauté d'histoire, d'idées très grande, qu'à ce qui se passait apparemment très très loin là-bas en Iran. Et pourtant c'est bel et bien le même intégrisme. Et il faut dire une chose, c'est que l'intégrisme au Maghreb, l'intégrisme dans tous les pays proches de nous, c'est le même intégrisme et il a été non seulement essaimé, mais véritablement financé, poussé par l'Iran. Bon, il y avait des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres qui avaient un mode de vie extrêmement conservateur par rapport à l'islam, mais qui n'avaient pas une volonté politique d'expansion. Or, ce qui caractérise l'intégrisme et ce qui caractérise la politique de l'Iran et ce qui caractérise les écrits de l'ayatollah Khomeini, c'est une visée d'expansion mondiale. C'est écrit tout à fait clairement dans ses textes, à savoir que l'islam doit s'étendre sur l'ensemble de la terre puisque c'est la voie de Dieu. Et donc, voilà. Alors à partir de là, en effet, il y a eu cette expansion, elle a eu lieu de fait, elle continue d'avoir lieu, elle continuera probablement d'avoir lieu encore pendant un certain temps avant que cette nouvelle idéologie ne reflue, on peut l'espérer. Mais pour moi, je dirais que c'est vraiment une idéologie, c'est-à-dire que la différence qu'il peut y avoir entre un désir de spiritualité... La différence qu'il peut y avoir entre un élan spirituel et puis une idéologie, c'est évidemment et précisément la confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et c'est effectivement ce que l'ayatollah Khomeini a réinventé pour l'Iran et pour l'islam, et donc qui ensuite a permis à des intégrismes chrétiens ou à d'autres types d'intégrismes religieux de retrouver un discours, de revenir sur, par exemple, la séparation de l'Église et de l'État en sourdine, sur tout un ensemble de traditions qui appartiennent à la démocratie et qui consistent à ne pas confondre la foi avec l'appareil religieux et la religion avec le pouvoir temporel. Je crois qu'il faut quand même souligner le fait que ce n'est pas seulement par la vivacité de leurs opinions que les idéologies intégristes, et en particulier les idéologies... Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, finalement, la clé est en Iran. Voilà. Pour nous, le Maghreb, sont nos sœurs, sont nos proches, et par conséquent, on a le sentiment que c'est en quelque sorte l'intégrisme est là. Mais en fait, pour moi, la clé de l'intégrisme est en Iran. Et donc aujourd'hui, ce qui a été autrefois la lutte contre l'impérialisme, c'est devenu pour une grande part l'affaire des intégrismes, et en particulier islamistes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.